Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. On se retrouve à Wakaba. Hein, on n'est pas chez, comment elle s'appelle, Shakira, mais on est voilà, dans le petit quartier du Mont Komorebi. Là, on avait déménagé la semaine dernière. On a terminé l'aspiration de Cop Cop, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Pour finir la génération orange, notamment. Ah oui, c'est vrai qu'elle n'allait pas à l'école, elle. Oh non, ça commence déjà, les amertumes et tout là. Oh non, ça m'énerve ça. Ça va être chiant ça, moi je vous le dis. Agent 21, cucu les copains de la rediff, agent 21, boule signe de la main. Tout à fait. Voilà, le chat il vous dit bonjour YouTube, vous voyez, ils sont gentils, ils sont propres, tout ça quoi. On va acheter un bouquin, enfin un bouquin. On n'a pas de, je suis sûre qu'on n'a pas pris de bibliothèque. Maintenant, on n'est pas chez des intellectuels, hein. On n'a pas de bibliothèque. Pour acheter son livre. Quoique, non, mais Copper, tu vas le donner à ta fille, le tien. Bah, il en a plus. Ok, donc personne n'a. Ah. Si elle avait des devoirs quand même, bah tu les fais. Je comprends plus rien. Je croyais qu'elle avait plus ses devoirs. Alors, j'ai retrouvé, elle va faire ses devoirs. Lui, il est parti à l'école. Elle, bon, je m'en fous, tu fais ta life. Et toi, tu faisais quoi déjà? J'ai oublié. Ah, tu continues à créer ton virus, c'est vrai. Parce qu'au niveau boulot, on est niveau 9. On est très 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 bien parti quand même avec, notre petit Copper. On a encore pas mal de temps devant nous pour qu'il ait sa promotion, donc tranquille au niveau du boulot. Mais il faut quand même augmenter bah, tout ça, quoi. La programmation, la malice, et puis voilà. Donc on a encore quand même pas mal de taf à faire. Je sais, je dis qu'elle est belle juste pour te faire rire, mais je la trouve quand même un peu jolie. Bon, bah c'est gentil, mais bon, c'est clair que c'est pas la plus belle des maisons que j'ai pu faire. Hein. Et lui se marre là. Regardez-moi ce diable. Là, il est en train de faire des virus qu'il va envoyer à tous les petits vieux qui traînent sur MSN. Si ça existe encore, non, ça n'existe plus. Et là, il fait ah, qu'est-ce qu'ils sont cons ces petits vieux alors ah. Il est content. Moi je prends des maisons dans la galerie. Ah oui d'accord. Oh on va continuer à courir. Et non Marie, c'est ce que je disais, je ne sais pas pourquoi elle ne va pas en cours. Bah elle court après, c'est parce que comme on l'a fait grandir bien plusieurs heures après lui, parce que ça a bugué, ben elle y va pas. C'est comme ça. C'est la vie. Donc c'est envers sa mère qu'elle a une rancune? En adoration. Alors elle est rancunière, mais elle est en adoration de sa mère. Ouais, ok. Très bien. Ouais, non, mais pourquoi pas après tout. Mais le truc des sentiments, je vous jure, ça... Ça me casse les noix un peu. Non mais la semaine dernière je pense que déjà elle avait pas de bouquin de parce qu'on l'a fait grandir avec le MCC et du coup bah, comme elle était en décalé avec son frère effectivement elle va pas aller à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Non mais toi tu... Non dégage. Alors lui c'était la nounou mais dégage. Arrête d'emmerder ton père toi. Mais je sais pas moi, fais ta vie. Va jouer, va serrer Blarfly. Je sais même plus où est ta chambre, je m'en carre l'oignon. T'as pas de jouet? Mais sérieux? Et tiens, prends ça. Joue avec émotion. Ça te calmera. Ah, les gosses, hein, vivement que ça aille l'école. Hein. J'ai débloqué un émote parce que ça me fait vachement rire. C'est la petite saucisse. Et saucisse, c'est récurrent chez nous, hein, les saucisses. On aime ça. Il est mort de rire. Tu me dis quand tu l'as fini ton virus? Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la bouffe normale. Ah. Eh ben tu nous feras des pâtisseries. Des barres de caramel mou. Ah bon? Ah bon, des barres de caramel mou et du pain au fromage. Allez. Parce que bon, il faut bosser sa pâtisserie. Hein, parce que... Et malice niveau 9, programmation niveau 7, pâtisserie niveau 6, charisme niveau 6. Il faut maximiser le charisme et la pâtisserie pour cette génération-là. Mais en même temps, pour son travail, il va falloir maximiser, je pense, la malice et la programmation. Donc ça fait quand même beaucoup. Salut Camille, comment tu vas?
Salut Enzo, comment tu vas? Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Fermez vos fenêtres et verrouillez vos portes dérobées. Cooper a lâché un virus dans la nature. Ce programme informatique pernicieux lui a déjà rapporté 227 simflouzes. Eh ben, quel coquin! Ah, il a une nouvelle idée pour un nouveau virus. Moi j'aime les saucisses. Bah oui, mais tout le monde aime les saucisses, quand même. Dans un certain sens. Dans un certain sens. Toi, tu vas être excusé auprès de ta gosse. Voilà. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais... Ça suffit, hein. D'ailleurs, les barres de caramel mou. Vous croyez que ça va faire comme dans le Lord and Lady et que si je les laisse à deux, ils vont encore se taper sur la gueule? Mais, hé, hey, dis donc, ça va bien? Ouais, elle est vénère, là, avec sa daronne, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ils se détestent, en fait. En même temps, ma cocotte, t'étais pas prévue dans le bide de ta mère, hein, donc tu vois, c'est pour ça que ta mère, elle t'aime pas trop. Elle est planifiée qu'un seul enfant, hein, donc... C'est comme ça, hein. Oui, je dis adieu, mais c'est une plus, j'aime pas lui. Je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Se renseigner sur l'école. Sois sympa que t'as... Oh, tiens! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il... C'est quoi ces fringues? Ah, c'est parce qu'il va à l'école dans le quartier là, donc du coup il a des fringues spéciales. Mais moi j'ai pas demandé à ce qu'il soit habillé dégueulasse comme ça, hein. Il a aucun style. C'est quoi ces japonais là, hein, qui aiment pas le rose là? Qu'est-ce que c'est que cette non-liberté d'expression? Bon, je peux te dire que juste après tu vas te changer, wesh. Ça va bien, oui. Allez, mon petit! Oh punaise, il est fatigué, mais c'est vrai qu'ils se travaillent de nuit. Hein. Ils sont. Alors, tu vas me prendre une portion de ça, une portion de ça. Ah, tu iras me faire un petit pipi. Oh! Mais casse-toi, toi! On veut pas te voir. N'arrête plus. C'est vrai que je crois que comme tu as mon comment habit, ouais, ils ont une tenue spéciale pour l'école, c'est ce que je pense, oui. Ouais, tu mineras ta journée à ta de ton frère. Voilà, et après tu iras dormir, mon petit cop-cop. À quelle heure il taffe, lui? À 1h du matin. Ah oui, il taffe pas tout de suite. Ah, on pourra augmenter à fond ses capacités. Ça, c'est bien. Peut-être essayer de faire la malice tout de suite. Tu me diras, la pâtisserie, on y est bientôt. Oh oui, tu vas aller pisser. Oh, il est mignon, il fait le ménage. Et elle a fait la... Ouh, la saleté. Oh, les gosses, dès que vous les laissez. Hein. Dès que vous les laissez, tranquille. Hein. Et tu viendras jouer avec émotion, la saleté. Bon, voilà. Copper dehors. Donc, on n'a rien d'autre d'intéressant à faire. Et Shama Kaniba? Il a une uniforme qui va à l'école dans mon... Ouais, je sais. Ouais, mais c'est nul, c'est moche. Pas de soucis, Linette, des bisous à toi. Oh, ma pauvre. Des gros bisous à toi, prends soin de toi. Qu'est-ce qu'ils sont cons avec leurs jouets, quand même. Après, t'iras pisser, t'iras te laver. Tu fais ta vie. Vis ta vie de petit garçon. Non. Tu vois là, il y a 10 millions de trucs que ton père a fait à bouffer. Donc tu te sers. La relou. Ils vont devenir obèses, ces gamins, mais...
Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un concert de Justin Bieber? Waouh! Waouh! Et en plus, il a des pouvoirs magiques. Trop bien. Oh, la super moto. Oh, et on le dépelle à une fille. Incroyable. C'est Wonder Justin. Wonder Justin. Salut Sean, comment tu vas? Ah oui, t'as raté le début, mais t'inquiète, il s'est pas passé grand-chose. On a relooké les gamins. Copper, il a fait de la pâtisserie, il a créé un virus, et puis c'est tout, quoi, il n'y a pas grand-chose. Les plus grandes avancées ne sont pas encore arrivées. Elle est grande la maison quand même, j'aurais pu la couper. Couper au moins deux carreaux dans chaque chambre, mais bon. Et elle continue d'aller. Qu'est-ce qu'il a, lui? Nya, c'est sale. Bah, tu nettoies. Oh. Si tu veux, tu peux manger. Vas-y, mange du pain. T'iras te coucher après. Et elle aussi. Hop, comme ça. On a la paix. Et toi, Jacqueline? 23h, tu bosses? Elle bosse pas. Bon. Bah, c'est super. On va s'intéresser à Cop Cop, hein, parce que. Y a que lui qui nous intéresse, les autres. Pour l'instant. Pour l'instant, on est tranquille. Non, alors quand je dis dormir. C'est pas faire la sieste. Ce qu'elle fait, Jacqueline. Voilà, c'est bien fait le ménage. Au moins, tu sers à quelque chose. De toute façon, la face de la femme, c'est dans la cuisine! Cuisine! Mais une cuisine qui vaut au moins 70$. Tiens, tu vas me manger un caramel mou? Non. Pas sac en papier. Prends une portion et tu vas regarder la télé! La 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 la! Je t'ai demandé de regarder la télé! De 70$. Ah, quel programme incroyable! Ça va toujours au ralenti alors que je suis en x3. Nini Lama! Nya nya nya! C'est chiant quand même pour le comprendre. Ce qu'elle veut, elle. Elle se fait un petit coup de rein, là. Je suis horrible. Eh, hey, vas-y. Tu vas lui faire un peu de charisme. Non, mais tant qu'à faire, elle est là. J'ai oublié, moi. Tu vas lui faire un peu de charisme et un peu de malice aussi. Faire germer le doute. Ah, il est à nouveau... Il a un nouveau. Comment ça s'appelle? Style de vie, je m'en souviens plus. Prétend être un Gemini criminel. Puis un petit peu de charisme encore. T'es bien habillée, ma chérie. Viens que je t'embrasse. Oh, tu es bien habillée, ma chérie. Allez, viens que je t'embrasse. Et sinon, je vais te péter dessus. Mais viens là que je t'embrasse. Normal, quoi. Des bisous Guillaume, à plus tard. Ça m'a tout effacé, c'est génial. J'aime ce jeu. J'aime ce jeu. Hein? Pardon. Les proutes et tout, bah non, bah qu'est-ce que tu veux faire? Elle veut pas. Tic tic! C'est bon maintenant, ils ont plus besoin de faire des crac-crac pour se remonter, hein. Les gamins sont plus grands. Tiens, vas-y. Les bonnes effluves du trou de balle. Miam. Comme ça sent bon, ma chérie, tu entends ça? Tu m'aimes jusqu'au bout.
Même dans mes entrailles, tu m'aimes. Même si elles sentent le pourri. Qu'est-ce que j'ai dit des conneries? Un petit peu de charisme par-ci, un petit peu de charisme par-là, un petit peu de malice par-ici. Je crois que j'ai mis deux fois flatté, on va changer un truc. D'écrire qu'un problème. Mais ça m'a tout enlevé! Que j'en fais trois à la fois. J'aime prévoir trois à l'avance. Et le jeu, il aime pas ça. Lui, il vit dans l'instant. Voilà, un petit roulage de pelle. Rêve pas, Jacqueline. C'est juste qu'entre deux P qui va te lancer, quand tu partes pas en courant. Jouer un tour sur la poignée de main, là, je sais pas quoi. Partager des astuces de Sims Casanier, mais bien sûr! Mais bien sûr! Ah là là là! Prétend génie criminel. Fais-moi voir ça. Ce bruit. Mon charisme, on a encore du taf, hein. Partager des astuces du bureau de travail. Complimenter la tenue. Bah, ils travaillent pas tous les deux, donc moi j'ai envie de dire... autant y aller à fond, hein, et travailler à fond ses skills à lui, hein, parce qu'il y a besoin. Hein. Donc les gosses dorment, ils sont pas intéressants, les gosses pour l'instant. Pour l'instant, ils sont pas intéressants. Et ça l'a fait rire. Moi, je suis pas sûr que si j'avais un mec qui me foutrait une claque, que ça me ferait rire. Mais bon, chacun son truc, hein. Ils sont peut-être sadomaso un peu quand même dans le genre, tu vois. C'est vrai qu'ils sont même pas mariés. Ils sont même pas fiancés. Ah, rien du tout. Il n'y a rien de légal dans votre couple, hein. Franchement, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien tout ça, les enfants. Ah, il y a la gamine qui est réveillée. Ah ouais, tu me diras, il est l'heure. Fais ta life. Tu es tellement drôle, j'adore passer du temps avec toi. J'espère que c'est réciproque. J'ai peur, je dis c'est quoi ce bruit? C'est du pipi. C'est un petit pipi. Les cours de Shamalo et de Sakura dans une heure. Vous êtes très calme d'un coup. Vous êtes omnubilé par ce gameplay incroyable. Je le savais. Oh, il m'a cassé le chiotte ce gosse. Tu vas lui péter dessus un petit peu, non? Mais un petit peu, là. Un petit peu d'amour, là. Un petit peu de chouchou, là. Tu es machiavélique, mon petit. Tiens. Prends ça, ma chérie. Smurks? Oh, ça pue, ton trou de cul. Ah, bon appartiel. Salut, Bubbleton, comment tu vas? Un petit pet de temps en temps, ben, histoire de marquer son territoire, quand même. Je l'ai toujours dit, moi. Il faut marquer son territoire. Les animaux pissent. Les Sims pètent. Il parle depuis tout à l'heure sans interruption, vous avez remarqué, hein, c'est... Là, tu vas devenir complice. Caresser la joue. Pour l'instant, ça baisse pas. Hein. Ils sont toujours au top au niveau relation. Hein. Comme j'alterne des trucs gentils et des trucs un peu moins gentils, ben, ça passe.
Beanie. Rongi? Trangelo. Pancho. Wow. This is too. Shiloh. Elle fait à manger. Ok, cool. Pardon. Swota. Hey, wasabi. Soul. Copé et Armenia sont désormais complices. Ils peuvent maintenant prévoir des farces ensemble et faire toutes sortes de bêtises. Incroyable. Incroyable. Ah, les gamins sont partis à l'école. Bon, bah, ils vont se faire des amis, hein, ce qu'il va falloir bien se reproduire. Alors, n'hésitez pas à commencer à préparer des beaux adolescents pour quand ils seront adolescents. Pour, bien sûr, que ce soit l'un ou l'autre, qu'ils puissent faire des bébés pour la prochaine génération. Partagez avec le hashtag NotSoShirley, comme d'habitude. Bien sûr, des adolescents qui n'aient pas les yeux marrons. Hein. Voilà, c'est la seule condition, évidemment. Beau gosse, quand même. Quand même, ça aide. Hey, tu vas lui rouler une grosse galoche. Puis tout à l'heure, elle lui parle, elle a toujours pas capté qu'elle se faisait troller comme pas de quoi. Inspirer une confiance injustifiée. Ah, la coupure d'eau. Qu'est-ce qu'on est content. On aime ce genre d'initiative de quartier. Salut Rose, comment tu vas? Yeux verts alors au moins. Ouais, yeux verts, ouais, bien sûr. Bah oui. Mais j'ai juste dit pas d'yeux marrons, c'est tout. C'est juste ça. Et avec ça, avec tout à l'heure, je ne fais que ça. Je n'ai pas encore augmenté une seule de mes deux compétences, quoi. C'est cool, hein. Je sais pas où on en est, mais... Ah, charisme quand même. Niveau, on arrive bientôt au niveau 7. Donc on va en commencer quelques-uns. On va encore complimenter la tenue parce que c'est le plus facile à faire. Ah, on l'ignore. Ah si, tu m'as coupé dans ma chic, toi, sale gosse. Bon, moi, elle est partie à l'école, la gamine. Tu vas la flatter. Tu vas t'enthousiasmer pour la cake aux fruits. Prends une pause sexy. Je vais attendre qu'il en fasse parce que... et puis on va prétendre être génie criminel. Recomplimenter la tenue. Genre on lui tient la chic à la femme depuis... ça fait des heures qu'on lui raconte en boucle les mêmes trucs. En même temps c'est les Sims, hein. On peut pas inventer des trucs qui ne sont pas dans le jeu, quoi. Il y a quand même pas mal de trucs rigolos à faire. Et on arrive quand même au bientôt niveau 10 de la malice à force. Hein. Donc je vais y arriver. Je vais pousser. Je vais pousser le truc. Hop. Le petit prout qui passe bien. Et c'est à chaque fois les mêmes réactions, ça me tue, moi. On va changer un petit peu de conversation. Prévoir remplir le bureau du patron de ballons. Ah, ça va, c'est mignon. Et discuter de projets maléfiques. C'est bien ça. Illuminer la journée. Regardez, charisme, niveau 7. C'est bon ça. J'ai envie de me commander une pideuse, mais j'ai toujours pas reçu mon salaire, alors je peux pas ouin 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 pleurer, 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 visage qui pleure, visage dévasté. Et niveau 7 de... charisme, ça c'est bon. Maintenant on va juste, bon, on peut continuer un petit peu. Hein. Là il faut que je fasse la malice là. Mais la malice, on avance. Hein. On est 80%. Vas-y, fais-en un peu mon coco là. Pas très romantique le prout, non. Mais de temps en temps il y a un petit truc, tu vois. Tiens, il va draguer en racontant une blague si tu veux. Salut Lika, comment tu vas? Et salut Jonah, comment tu vas? 70$. J'adore les couleurs entre l'orange, le bleu et le blanc mélangé, les vêtements et les meubles, tout est sorti. Oh, quel bleu? Y'a pas de bleu. Y'a pas de bleu.
Mais bon, on a fait en sorte, hein, c'est la génération orange, donc la maison est plutôt du coloris orange. Et du rose pour les enfants. Ça se marie pas du tout, hein, mais... C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Salut Miss Noémie, comment tu vas? On va raconter une blague sur les martiens, histoire de se détendre le slibard deux secondes. Alors toi, poignée de main, enlacée, conversation profonde. Ils arrêtent plus de parler, et je sais pas depuis combien de temps en Earth Sims ils le font. Ah ben, il va bientôt se pisser dessus en même temps, donc on va devoir faire une pause. Ah. Je vais trop vite. Ouais, voilà. Top. Regarde les triangles du coussin, c'est discret. Ouais, très discret. Voilà, ça m'a tout enlevé. Bon, allez, va pisser, Jean-Claude. Ah, mince. On y est presque, là, on va valider la malice. 90%. Allez, vas-y, va pisser. Attends, toi, Jacqueline, reviens là. On n'en a pas fini avec toi. On va te décrire l'apocalypse. On va te complimenter la tenue, parce qu'on l'a déjà fait juste 40 fois depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave. Et re-te décrire l'apocalypse. Parce que c'est sympa, l'apocalypse. On aime ça. Ça va, Miss Nemi, ça va. Froid, mais ça va mieux, là. J'ai mis un bon sweat, j'ai de plaid. Ça va. Oh là là, il y a quelqu'un qui a clapé à la porte. Alors pour ce temps-là que j'ai... Bah c'est bien, il se fait des amis et il se fait des amis. Je l'avais peut-être déjà fait, je m'en souviens plus. Alors, une petite pause. Petite pause dans le... cet harcèlement pour monter les compétences. À part ça, il pue. Et il commence à avoir la faim. C'est pas grave, il va nous faire des pâtisseries. Regardez, on va finir la malice. C'est trop cool. Avec un harcèlement quand même sur sa femme. Mais on va quand même y arriver. Tu vas imiter des sirènes. Illuminer la journée. Ah, bon, je vais encore attendre. Ils sont un peu moins en taquet là, j'ai l'impression. Ça y est, la petite pause pipi a cassé le truc. De quoi c'est quand qu'ils crèvent? Qui ça? Ah non, mais il faut pas les tuer, c'est là. Hein. Attention, elle, je m'en fous, mais pas lui. Hein. Lui, j'en ai besoin encore quelques temps. Allez, tu vas la draguer entre deux, histoire de dire, bon, finalement, je t'aime toujours, Gertrude. Style de vie obtenu. Sociable. Bah, c'est super. Merci beaucoup, Idzkai, pour ton follow et bienvenue à toi. Mais tu pues, hello. D'accord. Harcèlement intense pour le bien du SDV. Bien sûr. Regardez. On est à 2%, enfin 3%. De finir la malice. À force d'harceler sa meuf, regardez, ça va nous rapporter 2%, voire 3%. On va le laisser faire. On va le laisser faire. S'il a envie. Allez, Copper! Oh là là, qu'est-ce que t'es bien habillé! Et merci, Lisazu, pour ton follow. Bienvenue à toi également. Non, c'est pas... Non, c'est l'assiette qui pue. C'est pas lui. C'est pas lui. Bon. Tu me fais décrire l'apocalypse, s'il te plaît, Jean-Claude? Il a pas envie de passer au 100%. Allez! Ah, ça y est. Alors, l'apocalypse, c'est quelque chose de, tu vois, incroyable. Il y a plus rien, même les arbres sont morts. Et puis voilà, t'as Jean-Claude qui est là avec son petit t-shirt orange et ses tatouages. Et il fait hey, je vais rétablir la vie. Parce que tu vois, je suis fertile, moi. Je fais des jumeaux. Bon, ben, on était à 100%. La malice s'est maîtrisée. In the pocket. Ah, oh, Jean-Claude, tu m'as fait plaisir. Tu vas nous préparer des pâtisseries. Là, 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 tu vas nous refaire du pain ou le vin, tiens. Il va nous faire deux trucs de pâtisserie.
Et puis, des bagels nature. Et toi, Jacqueline, tu peux faire le ménage. C'est intense, hein, c'est... Voilà. Ce harcèlement a très bien servi. Vous avez bien pu voir que... Comme ça, au moins, c'est fait. Vous êtes plus sur les 70 dollars, mais c'est bien sûr. Oh, comment tu vas, Aizuru Carré? Oh purée, c'est difficile quand même ton pseudo. J'espère que tu vas bien. Tu t'es même pas dit bonjour du coup. Oh 70 dollars. Oh si, c'était rigolo hier. C'était chiant pour vous, mais moi ça me faisait marrer à chaque fois. Oui, ça va, un peu fatigué quand même, parce que bon, un dodo tard quand même, mais ça va. Voilà, on est un petit peu sur les Sims, on est sur notre Soberry. Je sais pas si tu connais ce challenge. Et on est à la génération orange, comme tu peux le voir. Parce que moi, c'est pas vraiment les couleurs que j'utilise, l'orange. Bah, il a encore changé de fringue, lui. Bah, dis donc, ça va y aller, la lessive, hein. S'il change tous les jours de fringue, on est pas sorti de l'auberge, hein, et elle. D'accord, je comprends mieux, ouais. Ah ouais, oui, mais non, mais tu vas venir manger, ma cocotte, hein. Ça, c'est pourri. Bah, tu me demanderas une autre portion de ça, alors. Vous avez fait aucune connaissance à l'école, vous? Vous êtes pas... Ah si, pardon. Louise. Tiens, Louise Rainbow. Louise Rainbow. Mais c'est de la famille, ça? Ah. C'est pas officiellement de la famille, mais c'est la fille de Clément et Émilie. Je ne sais pas qui sont Clément et Émilie. Et niveau 7 de pâtisserie. Toi, les échauffons en début de live, ça a bien servi. Hein. Ça change du calice. Tabarnak de calice épais. Je l'ai pas vu, Muscade. Elle est pas là, je crois. Ma connexion a planté. Je te disais la connexion de mon téléphone. D'accord. Je vois ce que c'est. Bon, bah, nickel, alors. C'est vrai que moi, je fais quand même beaucoup de Sims. Mais, enfin, moi, j'adore, donc... On en fait régulièrement quand même. Alors, il est bon le pain de papa, les petites enfants. C'est calme dans la baraque. Qu'est-ce que t'as? C'est sale, tu vas le faire ménage dans mes hauts, de quoi tu te plains? Ouais, sale gosse. Bon bah, Copper, tu peux manger maintenant. Ta petite production de... De pain, de tout ce que tu veux. Tu peux regarder la télé en même temps, tiens. Je suis sûre que ça doit être bon, ce pain. Quand même. Ma bichette, tu vas te rhabiller, hein. Voilà, tu vas mettre tes fringues normales. Ah, j'ai oublié de leur mettre un bureau pour leurs devoirs. En même temps, j'ai même pas débarrassé les pots et les cubes des bambins, alors... Ça a tellement été fait à l'avoir vite. Ça va, Copper, c'est bon. Je suis fier de toi, mon petit Cop-Cop, quand même. Hein. On a bien bossé avec toi. Hein. Aspiration terminée. On a le niveau 10 en malice. C'est trop cool. Bon, il en reste encore à faire. Hein. Voilà, programmation. Il va aller se doucher après. Il va aller dans sa petite douche. Là. Ah, comment ça? Pourquoi je peux pas? Ah, la coupure d'eau! C'est la journée de la coupure d'eau! Quel bonheur, on avait oublié ça! Bah, du coup, tu iras pas te laver. Tu iras programmer. Créer une application mobile, allez. Ah, mais elle est partie se coucher, elle? Je m'en fous tellement que j'ai même pas capté qu'elle devait se coucher. Ah ouais, mais t'es pas en bon état non plus, Jacqueline, là. Allez, allez donc. Il y a tout qui est pourri. Il y a tout qui est pourri. Ça me fait rire. Oh bah dis donc, ça y est, vous parlez plus. Ça y est. Ils sont plus là et vous êtes partis... Vous êtes partis à la chasse. Be so fans of Maya, Mobim,
C'est trop mignon, j'aime bien l'espèce de petit foulard, le petit truc là au cou comme ça sur voilà, c'est Sims 3. Hein. Mais j'aurais bien aimé un petit haut comme ça, ça aurait été sympa. T'as fait tes devoirs toi, Jacqueline? Va les faire. Ton frère il les a fait, c'est bien. Tu peux jouer avec émotion s'il veut. Rugi Payoun! T'es bien? Toujours là! Pardon! Salut Aksaba, comment tu vas? Salut Mel, comment tu vas? On est 60! Ah oui, quand même! N'hésitez pas à discuter, hein, moi je vous mangerai pas! Et salut Lydie, comment tu vas? Après, vous êtes sûrement en train de manger, en train de faire des trucs, c'est logique! Moi, je vous entretiens votre divertissement de loin dans un coin. Ou peut-être principalement, je ne sais pas si j'occupe principalement vos divertissements. Pour avoir une pauvre vie, hein, pour que ce soit le cas. Tiens, tu vas mettre tout ce qui pue là, t'avais dans ton inventaire là. Bon, les gamins, ça va. Comme ça, elle fera le ménage, elle là. Tu peux pas te laver, hein. Quand est-ce qu'on récupère l'eau ici, hein? Ouais, c'est pas bon pour la santé, ouais. En jeu, il est mignon, hein, le petit. En jeu, il est choupi. C'est quand on regarde dans le CAS qu'il a une drôle de tête. C'est bizarre que entre le CAS et le jeu, je trouve que certains Sims n'ont pas la même tête. Et I don't understand why. Voilà. If you knew why, please tell me, because I want to understand. Yes, I'm speaking very well English. No, I don't. Très bien, toi, que penses-tu de ce dernier DLC? Mais casse-toi, toi, là! Il me saoule, lui! Mais il est pédo ou quoi, hein? Casse-toi! C'était l'ancien nounou, là, mais on en a plus besoin. Maintenant, les gamins, ils savent marcher. Oh là là! Ils savent marcher tout seuls, donc... Vas-y, tu me saoules. On va se moquer de toi, allez. Va regarder la télé et après tu iras te coucher. Alors, ben, concernant Escapade, là, on est dans le Nouveau Monde, justement. On voit pas grand-chose parce qu'on n'a pas pris le temps de se balader dans le quartier, puisque j'ai beaucoup d'objectifs. Après, une fois que je les ai faits, mes objectifs, je suis plus cool et on peut faire autre chose. Mais en général, là, il y a la génération d'après qui est là. Mais sinon, bah, sympa. Sympa, c'est cool, il y a des trucs sympathiques. Le monde est très très beau. Le monde est très très beau. Comme ce petit parc là, il est super mignon. Franchement sympa. Après, au niveau de tout ce qui est activité, tel le ski et le snowboard, ça m'a l'air très long pour acquérir quand même toutes les compétences. Pareil pour l'escalade. J'aurais peut-être pas été jusqu'à une compétence 10, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Regardez-moi comme c'est joli. Par la grosse dondon qui passe sur le pont là. J'attends qu'elle se barre, je vais faire une photo. Tac, voilà, c'est pris. C'est très joli. Et puis, ben... Ouais, après, moi, je suis pas fan de ski, hein, donc forcément, ça aide pas. Ça aide pas du tout, mais... Ah, il a cassé, d'accord. Mais sinon, voilà, je pense que s'il y en a qui aiment bien, c'est rigolo quand même, tu vois, mais c'est vrai que c'est très long et on passe pas sa vie à faire du ski quand même, donc ça, voilà. Le CS, tu le vois de plus près, sans expression, en jeu, il vit. Ouais. Fatigué, dur de se mettre dans le rythme de la formation, toi ça va, ça va, ça va. J'ai streamé hier soir quand même jusque tard, et puis je me suis encore couché encore plus tard, donc du coup, ben... Voilà quoi, il faut s'y mettre. Bon bah Jacqueline, tu vas pouvoir te doucher, hop. Toi, tu vas pouvoir c'est ton lit ça? Je sais, ouais c'est ton lit. Hop, tu vas pouvoir être couché, 21h, c'est une bonne heure. Lui, il pourra aller se doucher aussi, et après au lit. Voilà. C'est comme ça qu'on les gère, les gosses. À la baguette. Ah, les gosses, même tous les Sims. Hein. Bah non, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça au frigo, du coup. J'ai cru voir un petit chat, mais en fait, non, il n'y a pas de petit chat qui est passé. Je ne deviens folle. Je vois des ombres chez moi, mais qui ne sont pas des chats. Au secours.
Copper, dès qu'il sera levé, il pourra aller se doucher. Parce que là, on a encore du temps. Il a pas encore. Enfin voilà, il travaille pas encore. Donc on peut encore bosser ses compétences. Ça, c'est cool. Sachant que, je sais qu'on vient de le voir, programmation, charisme, pâtisserie, on est au niveau 7, c'est quasiment égalité. 24%, 17%, 9%. On est vraiment pas mal au final. Hein. On va essayer de faire un peu plus de 2-3 pâtisseries. Charisme, il va s'entraîner devant sa glace. Et puis, bah, programmation, comme c'est tous les jours qu'il devra s'entraîner, ça sera plus vite, quoi. Je l'ai un peu testé aussi, mais le monde a l'air sympa. Oui, il y a pas mal d'activités, c'est cool. Après, j'ai peur qu'on se lasse vite du ski, du snowboard. Ouais, c'est ça. C'est que je trouve ça long déjà pour... bon, bah, il va se laver tout de suite. Je trouve ça long pour monter les compétences. Et puis, ben... si tu veux, tu les vois faire, c'est rigolo. Mais monter jusqu'au niveau 10... je sais pas. Ça me paraît long et pas aussi intéressant que on aurait pensé, tu vois. Et qu'est-ce qui débloque en fait en fonction, tu vois, et qu'est-ce qui se passe au niveau 10, ils nous font des pirouettes et tout. Ouais, mais bon, c'est long quoi. C'est très très long le temps d'arriver là-bas. Et on peut pas prendre le télésiège, on peut pas faire avec Jean-Claude Duss. Non. Je suis un peu triste moi aussi, c'est ce que j'ai dit quasiment tout de suite. C'est dans les cabines, on voit même pas l'ombre de Sims ou quoi, on voit même pas le Plumbob qui fait ça. Donc c'est un peu mais bon, c'était évident hein, mais tu sais bien que voilà. Ah, j'ai encore viré le tapis. Ah bah tu me feras... Non, pipi! Fais pipi, qu'est-ce qu'il fait? Bah... ah. Bon bah écoutez... Je me suis trompette. Farce ratée! Le patron de Copper était totalement occupé à faire éclater tous les ballons dans le bureau qu'il a manqué une réunion clandestine très importante. Et maintenant, il est totalement furieux contre Copper. Oupsie! Oh, ça aurait dû être elle qui allait au boulot avant lui. Oh! Flûte, hein? Elle travaille dur, mon coco. C'est pas grave, de toute façon, on a toute la barre à remonter. Il la remontera, on a le temps. Elle va manger, là. Quoi? Mais il y a à bouffer, là! Qu'est-ce que vous nous... oh, pauvre petit. Pauvres petits enfants tristes. Oh là là, ils ont pas à manger, là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ouais. Et elle a la toilette exprès, mais il faut qu'elle vire ses propres gosses qui sont... tout est normal. Du bon pain au levain, sans rien d'autre. Juste du pain. Moi, j'adore le pain. Je pourrais t'en bouffer comme ça, quoi. Salut Redmoon, comment tu vas? C'est ce que j'ai vu, tu débloques des snowboards et des skis plus jolis, peut-être des vêtements, je sais plus, mais ça m'a l'air militaire. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est pas terrible, quoi. C'est pas non plus, voilà. Le truc de l'année, quoi. Après, t'iras te doucher et pisser. Et toi, t'iras pisser. Et elle prend toutes les places de la... pendant que Copper, il est en train de galérer au boulot. Voilà, ça remonte un petit peu. On va remonter un petit peu. Énergie du travail. Style de vie, bourreau de travail. Travailler dur. Dur comme fer. Allez hop, tu vas me jeter tout ça. Tu vas me faire le ménage. Drama incoming. Oh mon dieu, ma soeur toute nue. Incroyable. Alors c'est marrant parce que moi je suis là, je la vois pas, mais son frère a réussi à la voir. Bon c'est bon, vous avez grandi dans le même utérus. 1638. Ah bichon, elle vient te détendre, regarder la télé, va. Viens. Mais qu'est-ce que... viens là, j'ai dit. Pourquoi elle pleure? Tristesse partagée, sentiment proche envers quelqu'un qui ne se sent pas bien. Voir souffrir une personne qu'elle chérit le rend Emmanuela triste. Alors déjà que c'est relou quand ils sont pas en forme, les Sims. Mais si les autres, ils se mettent à chialer parce qu'il y en a un qui est pas bien.
On n'a pas fini, hein. On est d'accord. Eh, chatouille là où il faut, va. Ça va la calmer, la gourmandine, là. Ah, encore Justin Bieber. Ah, je sais pas, regardez Justin Bieber. Ça va bien, Red Moon, ça va bien. Tout de suite, hein, faire crac-crac. Allez, c'est bon, j'ai compris, ils ont envie. Hier, je les ai fait parler pendant des heures. Ils s'asticotaient un petit peu, après ils se pétaient dessus. Là, ils ont envie de crac-crac. Pourtant, le divertissement est au top. Hein. Allez, où est-ce que vous allez faire ça? Dans votre lit? Dans la chambre des gosses? Dans la douche? Ah, sur le lit, classique, quoi. Enfin, dans le lit. Et hop là, c'est parti. Ah! Eh bien, c'est l'heure de la pub pour pas mal d'entre vous. Alexa a réclamé la pub. Donc, je vais remercier tout de suite ceux qui verront les petites pubs. Vous contribuez à me donner quelques petits sims flous en plus. Vous inquiétez pas, je suis loin de gagner ma vie avec Twitch. Hein, donc, ça n'apportera pas grand-chose dans mon portefeuille. Mais merci quand même pour vos pubs. Enfin, pour vos regards de pub. Regards de pub. Pour votre attention. A tout de suite. Alors, on va attendre la suite. Pendant ça, ils font des crac-crac. Ils font des petits crac-crac. Ah, il est content, le cop-cop. Oui, et tu peux dormir sans sortir de ta couette, hein. Il avait chaud. Il avait trop chaud, le pauvre chou. Oh, oh. Allez, dors, mon coco. Ah, tu vas te faire des amis. Je capte pas quand les gosses ils partent à l'école. Pourtant, ça fait depuis quelques heures. Hein, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dort, mais elle dort pas. Sans un lien intime. Ah, ça... Ça, pour être intime, vous êtes intime. Hein. Vous avez fait des gosses, d'ailleurs, même. Oh là là! Attendez! Âme sœur de Sims, un cœur, petite amie, collègue, connexion profonde en adoration, plus proche grâce à des souvenirs heureux, bourreau de travail, Sims sociable, technophile, casanier. Ça en fait, hein. Ça en fait des choses. Comment tu te justifies, tu fais du bon contenu, qu'est-ce que tu mérites? J'ai dit quoi? J'ai même pas fait attention. Faut que j'arrête. Chavalo a rencontré Stéphanie de Monaco. Sur YouTube, ça devient l'horreur, par contre, les pubs. Ah ouais? Chez moi ou pas? Je vais relancer le stream pour avoir la pub. Oh, c'est gentil, Owen. À chaque fois, je t'appelais Drama, mais c'est un peu bizarre quand même. Ouais, elle est mariée vite fait. Coucou, Lovosim, je t'ai pas dit bonjour, je crois. Je ne t'ai point vu. Je reviens sur une connexion profonde, intéressant tout ça. Ils sont connectés, profondément, très profondément. Mais il me saoule, lui. C'est quoi ce harcèlement, là? Non, mais franchement. Bon, on est très dans la maison et on voit pas ce qui se passe dehors. C'est vrai que c'est l'été. Il reste combien de temps? Ça va, c'est le début. Faudrait qu'on envoie les gosses à la plage, là, qu'ils aillent se baigner un peu. Ou même Copper, hein. Voilà, regardez, il y a personne. Enfin, c'est pas la plage, ici, mais... Voilà, les petits oiseaux qui chantent et tout, quand même. En profiter, quoi. Je sais pas si on achète une serviette de plage, on peut la mettre là-bas. Je sais pas. Non, sur toutes les vidéos, ils veulent toujours plus de sous-sous. Ah ouais. Bah moi, en vrai, je gère pas. Hein. Je clique le truc et puis je ne sais pas si, où elles se mettent en vrai. Donc, J'avoue que je ne m'intéresse pas trop à ça. Je vois juste si ça rapporte, de toute façon. En même temps, ça rapporte pas des masses. Hein. Il faut avoir beaucoup de vues pour que ça rapporte. Hein. Ce qui n'est pas forcément mon cas. Chamallow a rencontré Audrey. C'est bien, ça. Donc là, il bosse pas. Non. Ah, c'est bon. Ouais, vas-y, on ramène Thomas et Marc. Oh là là. On va voir si c'est intéressant, tout ça. Oh, qu'ils sont mignons, ces petites têtes blondes. Ils sont où au co... Ah. Alors, ça va pas être possible. Hein.
D'entrée de jeu, je pense que c'est pas possible. Alors, bien sûr, il fait la gueule. Comme tous les enfants qu'on reçoit à la maison, il fait la tronche, comme d'habitude. Il est habillé en alien, donc c'est possiblement un alien, donc ça va pas être possible. Il a pas de cheveux. Et il a pas de chaussures. Je pense que ça fait beaucoup, quand même. C'est là, je. Non, c'est un alien, c'est confirmé. C'est confirmé. Mark Williams, ça me fait penser, on dirait un nom de phasmophobia. Mark Williams est un alien et ça va pas être possible, hein. Je suis désolée, mon petit. Mais non, merci. Bah, tranquille, hein, il rentre comme si c'était chez lui, hein. Et lui, oh, il a, on dirait qu'il a une tête d'adulte déjà, tu sais. Regardez. Il a tellement de problèmes dans sa vie, ce gamin, qu'il a déjà 40 ans, quoi. Il a déjà 40 ans dans la tête. Le pauvre! Moi, j'en c'était plus. Si j'étais plus belle pour toi, ça te fait un peu de sous. Comment? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Moi, de mon côté, les pubs, c'est toujours quand il y a un mariage sur ton challenge. Il se parle toujours de bouffe. Je sais pas. Et lui, c'est Thomas Tinker. Ah, d'accord. Thomas Tinker. Thomas Tinker. Hop, toi, tu vas aller bouffer. Non, pas des petits pois, Jean-Guy. Mais il y a des trucs à manger dans le frigal. Puis tu feras tes devoirs aussi. Ah non, mais oui! Et Mark Williams, quel âge avez-vous? Casse-toi. Rentre chez toi. Et on peut pas le virer, le gosse. Rentre sur, va sur ta planète. Tu fais peur. Mes enfants ne se reproduiront pas avec toi. Hors de question. Mon copeur, t'en es où? Il dort. Il va nous faire des pâtisseries en se levant, hein. Alors, il a toujours pas débloqué. Ah si, un pudding au pain. Pudding au pain, ça c'est pour mes potes qui n'aiment pas que je fasse des p dans mon micro. Et des beurres de caramel mou, parce que le caramel mou, c'est la vie. Parce qu'il y a des enfants aussi. Vas-y, lève-toi, c'est bon. J'en ai marre. J'en ai marre d'attendre, de te voir te lever. Puisqu'on doit avancer dans le challenge. Christopher Charme. Ah oh bah oui, t'as ah oui, t'as du charme. Ouais, tu portes très bien ton nom. Et celle-ci? Mickey a quelqu'un. Puis alors, elle a un CC, hein, au niveau des cheveux. CC que je n'utilise pas vraiment, puisque c'est un alpha. Il faudrait que je l'enlève de mon jeu. Je l'ai mis parce que c'était une coiffure pour le Lord and Lady, mais. Voilà. Les gamins, ils vont aller se baigner, je pense. Ils ont fait leurs devoirs et tout, là. Ils vont venir après. Voilà, ils iront nager ici. Et nager ici. Voilà. Ça. Allez vous noyer dans dans l'eau, les petits. Profitez-en. Qu'est-ce qu'il a, lui? Oh, Bichette, tu en as faim, mon petit garçon, mon petit cop-cop. Tu n'as faim, qu'est-ce qu'il est beau, ton pige-pige. J'aime bien. Wouah! C'est quoi déjà? Ce qu'il a fait? Pudding au pain, médiocre. Ah! Tu mangeras des caramels, hein? L'alien me fait peur quand même. Salut Paulinette, comment tu vas? Salut Evernight, comment tu vas? C'est grave cool qu'il puisse se baigner dans le lac. Bah grave. Qu'on n'est pas obligé d'aller à machin là, à Soulani pour aller se baigner, tu vois, un petit peu. Par contre, j'attends toujours qu'on puisse se baigner à Widenberg.
Sur l'île, par exemple, c'est abusé, il y a de la plage et on peut pas se baigner, quoi. Enfin, on. C'est pas moi, hein, c'est les Sims. Hein, mais... On comprend où c'est que je veux en venir. Ce tapis. Ah, elle est partie. Oh, Bichette, elle va se baigner. Attendez, on va regarder avec ses neuils. Dans la tête de Sakura. On s'amuse et ça se voit. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Vas-y, il n'y avait personne. Qu'est-ce que tu viens? C'est notre plage à nous, hein? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle va seulement lire les panneaux. Ah, c'est chez nous. Tu t'es changé, Georgette? Ah non! Non, non! Ça s'appelle. Eh ben, une petite. Une baignade tout habillée. Non, non, carrément, elle y va comme ça. Ah, quand même. C'est pas grave, c'est les fringues de l'école. Comme ils en changent tous les jours, je crois que voilà, ça ne vaut plus grand chose. Qu'est-ce qu'il a, lui? Imposture extraterrestre! Mais tu te calmes, Georgette, là! Georgeton, là! Bon, tu vas être calmé, tu vas être. Et c'est où? C'est là. Viens nager ici. Ce qui m'a carrément. Hein? Lui, il mange. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'était très sympa aussi. Ouais. Après, Sixam, on a déjà été avec Pulcote. Hein. C'était mon premier voyage à Sixam, c'était Pulco. Oh, mais en parlant de ça, j'ai oublié de vous mettre le portrait. Allez, je vous retrouve dans quelques secondes. Je vais aller chercher. Là, 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 là. Parce qu'il y a des trucs que je veux pas que vous voyez. Donc... Je vais aller chercher le portrait de Cop Cop. J'en ai deux à vous proposer. Je vais le mettre là, plutôt. Parce que là, il n'y a pas de place. Tac! C'est parti. Voilà. Les deux portraits que j'ai de Cop Cop, que j'ai fait de lui. Lequel préférez-vous? Celui heureux, confiant, souriant? Cachotière. Toujours. Ou celui où il est un peu plus sûr de... Enfin, plus machiavélique, un peu de mystère. Celui-là. Moi, je préfère celui-là. Je préfère le deuxième. Mais... Elle nous cache des choses. Toujours. Comme ça, vous avez la surprise quand ça sort. Quand je prépare des choses. Sondage direct. Allez, on va faire un petit sondage sur le chat. Pour comme ça, on est... J'ai recliqué sur pub, mais non. Nouveau sondage. Depuis le temps que je devais le mettre, mais ça buguait dans l'appartement et la semaine dernière, j'ai oublié. Le 1, souriant, je vais mettre. Et je vais mettre le 2, mystère. Comme ça, vous saurez lequel... Et c'est parti pour le sondage dans le chat. Si vous voulez vous refresh... Merde, attention, je m'étais perdu. Vous pouvez refresh pour voir celui que vous préférez. Pour qu'on puisse mettre le portrait de Copper. Souriant. Mystère. Moi, je préfère le mystère. Puis il fait très beau gosse, hein. Voilà. Avec sa personnalité de criminel, ça colle tout à fait. Ah, mais il est hyper beau gosse, tout court. Bah oui, hein, il ressemble quand même à son daddy, à son grand-père et son arrière-grand-père et tout ce que tu veux. Donc n'hésitez pas, c'est dans le chat. C'est en haut du chat, le sondage. Donc, pas la peine de mettre dans le chat même. Hein. Faut voter au-dessus. On aime les beaux gosses, bah oui. Pour aller sur The Wall of Fame. Hein, sachant qu'il rejoindra Bordeaux et Pulco. Les beaux mecs. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as... J'ai entendu... Ah, c'est la télé. Oh, 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 oh. Ah, il y a un gamin qui a pas fait ses devoirs. Et eux, ils s'amusent. Très bien. Ah, tu vas faire des imitations.
éclabousser, taquiner de manière malicieuse. Là, ils s'amusent, les gosses. Ils se noient, c'est très bien. Alors, toi, on va en profiter pour bosser ta programmation pour le boulot. Comme ça, après, ce sera fait. Programmer. Continuer à créer une application mobile. Faut qu'on arrive au milieu, au niveau 10. Enfin, 8 pour l'instant, mais à mon avis, il faudra niveau 10. Et ça tape dans mon plafond. Bien fort et bien régulier, en plus. Bon, et toi, mais elle est buggée, elle, depuis tout à l'heure, regardez. Elle est encore dans le lit alors qu'elle est... Elle est censée être réveillée. Bah, Georgette, qu'est-ce que tu nous fais? Plus rien ne va chez toi. Mais regardez. Elle va aux toilettes. J'allais dire, elle a fait le ménage, fait quelque chose. Bon, après, les gamins, ils vont peut-être rentrer parce que là, il fait nuit. Faudrait pas qu'ils se fassent kidnapper, ce serait dommage. Enfin, ça m'arrangerait, mais il m'en faut quand même un pour continuer, quoi. Je peux pas en faire d'autres, des gamins, donc ce serait dommage. Alors, il reste quelques secondes pour le portrait, pour décider pour le portrait. Ah, vous êtes beaucoup à préférer pour l'instant le deuxième. Ah, il est... Pff, il est quand même... Hein ? Mais les deux sont bien, en fait. Hein. J'ai fait plusieurs photos et c'était vraiment les deux que je préférais. Et je vous ai quand même laissé le choix. C'est donc le deuxième portrait, le mystérieux. C'est celui-ci que nous allons mettre sur The Wall. Ouais. Voilà. Oh, c'est beau ça. Maintenant, on va rajouter un petit cadre. Clac! Ça y est. Copper a rejoint. Ah ouais, c'est vrai que vous me voyez, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête. Et le chat. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu. Copper a rejoint les portraits de famille hein, de ses prédécesseurs, du Notre Sauberry. Voilà, voilà. C'est beau. Bah oui, je sais, il y en a qui seront déçus parce que ben c'est pas le portrait qu'ils ont choisi, mais bon, c'est comme ça. T'as save? Non. J'ai pas encore save. Je vais save tout de suite. Voilà. Eh oui, si Anana, c'est ça la vie. Allez, celui-là, on va le mettre dans son... Bah quoi, il est tout nu, lui. Ah bah oui, il revient dans maillot de bain. C'est logique. Pour attirer les petits pédos, j'avoue que c'est logique, les enfants, que vous reveniez à la maison. Bah, tu vas te laver, tu vas manger, toi, tu vas pisser, tu vas dormir. Voilà. Ça, c'est fait. Cop, cop, il bosse. Moi aussi, je suis comme ça. Vous me voyez pas, des fois, je recorde des vidéos et je suis là. C'est pas vrai. Ah bah, il a vu ta louloute, tu vois la sienne, c'est comme ça. C'est donnant-donnant dans votre... entre vous. Mais oui, mais il y a un deuxième toilette, hein. Au bout d'un moment... On est riche, hein. On a deux toilettes. Ah bah, au boulot, elle. Elle travaille dur, alors. J'ai même pas capté. Oh. elle a pas dormi parce qu'elle était buggée. Oh là là. Pff, ce jeu. Ah, j'allais cliquer, mais ça va. Vous l'avez vu. Mes enfants reviennent à poil, je me poserai des questions. Ils sont pas à poil, ils sont en maillot de bain. J'avais pas vu les émotes autour de ta tête. C'est des guirlandes. C'est une guirlande de Noël. Et les émotes se baladent sur l'écran, ouais. Mais ça, je l'avais mis il y a plusieurs mois, mais ça marchait pas. Et là, j'ai réessayé, ça remarche, donc c'est nickel. Ça donne une petite touche sympa. Voilà. Avec les saucisses qui se baladent. Oh là là, Banner. Oh, qu'elle est mignonne. Comme vous êtes mignonnes toutes les deux. On devrait vous marier. S'il n'y en avait pas une qui était déjà mariée. Ça y est, ça floude. Ah, faites gaffe, parce que si vous floudez trop d'émotes, t'as un adbot qui va vous taper les fesses. Hein. Donc c'est vous qui voyez. Je les ai même pas vus sur l'écran.
Je suis pas regardé au bon moment, c'est tristesse. Je suis tristesse. Bon, il a pas encore commencé son virus et tout, mais c'est ça, il le fera, hein. C'est juste que là, il s'entraîne pour monter la compétence. Hein. D'ailleurs, arrête. Tu vas effectivement programmer un virus. Vas-y. Comme ça, il continue et puis voilà. Ça, il travaille pour sa prochaine fois. Vu qu'on a encore du temps. Avant qu'il retourne au taf, on peut encore monter. Salut Mankipi, tu vas bien? Comment ça, t'es jalouse, Paulinette? Ah oui, la saucisse avec les lunettes! Mais je les vois à peine, moi, les lunettes, hein, parce que sur fond foncé, on voit pas trop. On voit qu'il y a un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que quoi? Swag, la saucisse. C'est la saucisse swag. C'est la sauce swag. Prochaine émote, la sauce swag. On n'y est pas. Hein. En vrai, je sais pas du tout ce qu'il faut pour avoir une sixième. Ça va trop bien, les lunettes. Il est 5h du matin. Tu vas te coucher, gamin? Quel thug. Pire que son père. Soirée en ville. Niveau 8 de programmation. Il a fait ce qu'il fallait pour le boulot. C'est toi le meilleur copeur. C'est toi le meilleur copeur. C'est toi le meilleur copeur. Tu vas te doucher et dormir. Mais ils ont quoi? Eh, ils sont buggés là. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça y est, je découvre des nouveaux bugs. Des bugs où les Sims sont censés dormir et ils dorment pas. Et soit ils dorment ou mais ils dorment pas. Ouais, c'est un peu la même chose que j'ai dit, mais c'est pas grave. Bah non, il va être défoncé parce que bah voilà. Eh, regardez-moi la tronche. Viens te doucher. Il ira dormir aussi, hein. Mon copeur, j'ai pas ce problème encore. Il va bien se coucher, il se repose. Elle pue. Viens ici, tu vas venir te laver là. Les votes sont ouverts. Youpi, on va aller voir ça pour pas qu'ils votent pour des conneries là, les voisins. C'est bon là, tu. Oui, ça remonte un peu. Bon bah, toi, vas-y, trop tard, tu vas à l'école. Elle y va bien normal. T'as bien raison, ma fille. Assume tes jolies fringues, je me suis pas embêtée pour les mettre pour que tu les mettes... Que tu les mettes pas, finalement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pendant ce temps-là, tu te fais des amis, et toi aussi, hein, y a besoin, hein. Oh là là! Quoi, 30 secondes? Au boulot, ils ont offert des chocolats aujourd'hui. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas bu de coca, je me tape mes meilleurs ou vous ratez beaucoup. Selon combien de temps il m'a fallu pour engloutir la moitié de la boîte, 10 secondes, 30 secondes ou une minute? Agent 21, Coplan-bas SG. SG swag. Oh, ça passe bien sur la Coplante. Sur la plante vache avec ses lunettes. Énorme. Du coup, c'est quoi la réponse, Yana? J'étais en rappel au moment où elle sonnait la boîte. Sinon, 10 secondes, c'était plié. Oh là là. Montrons le sens de la saucisse. N'importe quoi. Ouais, on va inviter Thomas. Non, Marc, non, par contre. Marc, on n'est pas obligé. Marc Williams, quel âge avez-vous? Où êtes-vous? Marc Williams, montrez-vous. Il y a trop de restes de phasmophobia. Il y a trop. On joue trop à phasmophobia, les enfants. Mais c'est les mêmes!
Oh non, mais cassez-vous! On vous a limite pas parlé en fait. Enfin, oui, même, on vous a pas parlé du tout. Qu'est-ce que vous vient des foutre là? Ouais, vient des foutre, ouais. Ouais? Ouais? J'ai mangé que ce chocolat au lait, ça explique aussi pourquoi j'ai pas dégommé toute la boîte. Ah! Non, on joue pas trop, on a fait combien de games hier? 4-5? 5? C'est juste qu'on a terminé tard, quoi, mais. C'était sympa. Et puis on gagnait 70 dollars. On s'en fout, te connais pas, toi. T'as déjà 40 ans dans ta tête. Alors, lequel des gamins n'a pas ses devoirs? C'est notre fils adoré et incroyablement magnifique et beau. Je crois que les gamins, ils ont pas de vie, en fait. Ils ont pas de parents, je sais pas. Ils veulent faire leur life ici. Non, c'est pas toi qui feras le ménage, hein. Je te le dis tout de suite, mon petit. Qu'est-ce qu'on va t'augmenter? Le charisme, je pense. Fais-moi voir. Programmation 8, pâtisserie, charisme. Ouais, charisme, t'es un petit peu à la dèche. Allez, tu vas t'entraîner à faire un petit discours. Ça te fera du bien. Faut que je pense à ma miniature, hein. Pour l'instant, j'en ai pas fait. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là! Dans les campagnes! En fait, elle joue au Sims, elle s'est inspirée, je crois. Elle a vu qu'ils faisaient ça, donc. Le fameuse blague de la poule, on aime tout ça. 7, je crois, dont 2, 7? Ah oui, quand même! Ça va, tranquille. Ça augmente un petit peu. Tout va bien. Tout doucement. Prochaine fois, je veux regarder. Je ne suis pas encore pissé dessus. Je veux. Tu veux te pisser dessus? Surfacement? Mais non. À la limite, quand je joue toute seule, au début, c'était flippant. Maintenant, ça va. Tranquille. Bonne douche, ma belle teinte. Ah, les Jeff de Bruges, ouais, ils sont pas mal. Moi j'adore, c'est à la Jandouja, la Jandoura, je sais pas comment on dit. C'est trop. Salut Ilia, comment tu vas? J'imagine le peine d'avoir sa meilleure vie sur les Sims. Ils sont là, dans les campagnes. On sait pas, hein, tu sais. Ça arrive, hein. Mais elle doit pisser, mais elle veut aller quand même. Oui, j'ai compris, tu vas manger après. Non, pas un sac en papier. Oh là là. Tu vas prendre une portion et tu vas regarder la télé. Même si tous les gamins de la terre, ils ont squatté la canape. Qu'est-ce qu'elle a? Tu fais ton caca colère? Ça arrive. Ça arrive à tout le monde de faire caca colère. J'ai découvert aujourd'hui la joue tout machin comme t'as dit c'est ah mais c'est super bon c'est un c'est oh automne s'est marié les enfants c'est un mix de avec des noisettes je sais pas quoi là c'est tellement bon ça fond dans la bouche Jandouja la Jandoura je sais pas mais qu'est-ce que c'est bon oh à mon taf on recevait plein de boîtes et tout et que c'était en commun dès que je voyais dans une boîte il y avait des Jandou ou machin. Je les prenais, je faisais le tri, je dis oh, ça j'adore. Je les prenais pas tous. J'ai une collègue, elle a vidé la boîte, elle a pris que tout cela. Ah, moi je les adore! Ouais, enfin t'es pas la seule, et t'es pas la seule à les adorer. Elle avait tout pris. Moi j'en prenais par deux, tu vois. Mais genre deux, et ça suffisait. Et après, quand je voyais que j'avais déboîté la moitié, je prenais un géant de Doujin et. Un autre normal. Non, elle avait tout vidé la boîte, cette connasse.
Et après, c'était elle qui m'épiait pour savoir combien de chocolat je prenais pour dire, ah, t'as vu, elle s'est empiffrée 3 chocolats. Non, elle a pris 3 chocolats d'un coup. Oui, je les ai pris dans la boîte. 1, 2, 3. Je les ai posés à mon bureau. Je les ai pas bouffés les 3 direct comme ça. Non, mais ça n'arrêtait pas de... Hein. Je les ai mangés. Je prends 3 chocolats, je les mange. Est-ce qu'il a... Bah oui, fatigué, hein, bichette. Qu'est-ce que c'est, ça? À la salope. Oh oui, mais bon, c'est pas étonnant. Hein. C'est pas étonnant de ce genre de personne. Putain, mais regarde la télé! Oh, vous me flinguez, vous faites jamais ce que je vous demande. Putain, mais quel problème. Même maintenant, pour faire regarder la télé, les Sims, ils y arrivent plus correctement, quoi. Mais... Oh, ce qui me gaffe. Oh, vas-y, mange. Mange un truc, là. Mange un truc et regarde la télé. C'est bon? C'est fait? Toi, si tu veux te rendre utile, tu jettes pendant ce temps-là. Tu regarderas après la télé de ta mère. Eh ben, vas-y. Va te plaindre ailleurs. Comment il va, mon cop-cop? Il avance. C'est long, hein. Je sais pas pourquoi je regardais l'anglais boulot, mais... Après, il va refaire de la pâtisserie en masse, hein. En plus, il a commencé à avoir faim, donc ouais. Allez, à 50%, il va faire de la pâtisserie. Go! Alors, oh, la poubelle qui déborde. Miam, miam, bienvenue à la maison. Tu vas faire des puddings au pain. Tu vas... Eh ben, faire du pain au fromage aussi. Allez, vas-y. Allez, vas-y, tu peux regarder la... Mais pourquoi tu peux pas regarder la chaîne? Bon, je comprends rien. Écoute, t'as qu'à vider la poubelle. Choux. Petit gamin. Petit chamallow. Hop. Regardez la chaîne actuelle. Je sais pas pourquoi les autres. Parce que je pense qu'ils l'avaient déjà. Des aliens. Des aliens. Ah bah. Oui. Cop-cop qui fait à manger. J'ai découvert par mes enfants les cards Kinder une tuerie. Je crois que je l'ai vu en magasin. Mais j'ai jamais... je goûte pas... Enfin, j'achète pas. Ça coûte un bras, donc... En tout cas, moi, j'achète les nouveaux gâteaux pour les goûter. La joie d'avoir les enfants pour le faire sans rougir. Oh là là! Viande d'ouja. Ouais. C'est pour ça que je sais pas comment on le dit, en vrai. Si le J se dit je ou re, j'en ai aucune idée. Ouia, peut-être viande d'ouja. Je sais pas si c'est italien ou quoi, mais je crois que c'est italien. Mais j'en sais rien, en fait. En vrai, j'en sais pas. Mais c'est une... C'est tellement bon. Ça, pour faire grossir le cucu, je peux vous dire que ça fonctionne. Bon, les gamins, ils vont pouvoir manger ça. Regarde là, elle en peut plus. Elle. Ah, 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 qu'est-ce que t'es beau quand tu cuisines, mon chéri. Ah là là, ça me fait des choses encore. Dis, ça te dirait que je te cuisine après, moi. Moi aussi, je vais te mettre dans un moule. Pardon. Moi aussi je goûte ma pâte. Mioum. Et là il les a réussi en plus. Les puddings au pain. Je voudrais bien savoir ce que c'est les puddings au pain. Hey, merci Alexis du 9-3 RPZ. Et merci pour ton follow, bienvenue à toi. Salut Justine, comment tu vas? Peggy 18. Tout à fait, chanchant. Moi, je veux faire du pain au fromage, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble en vrai. Qui c'est qui a mis la table? Ils sont mignons, ces gosses. Hey, allez-vous coucher, là. Je peux vous voir. Je pense qu'eux, ils vont se rouler une... Voilà, je m'en doutais.
Je m'en doutais qu'il allait avoir du zizi pampan dans l'air, là. Vas-y, comment il bouffe. Oh là là, t'as vu ce que tu me fais dans mon corps, ma chérie? Je vais te bouffer comme ça tout à l'heure dans la chambre. Tu vas voir ce que tu mérites. Malade, c'est... Ah mince, qu'est-ce que tu as? Tu as le Covid? Tu as le Covid-19? Ça fait un an pile. Trop contente, j'ai eu mon premier bain. Oh, Paulinette, bah alors, coquine. Et ça fait un an aujourd'hui que le Covid est arrivé, où le patient zéro s'est fait admis, je vais y arriver, j'ai galéré là, s'est fait admettre à l'hôpital. J'ai galéré à dire ça. Un an tout pile aujourd'hui, donc ça fait un an que ce connard fait chier le monde entier. Voilà. Oui, bah c'est un petit connard, hein. En même temps, il viendra pas me casser la gueule, hein. Je pense que... Voilà, il a autre chose à faire. Là où il est. Sûrement mort dans un trou, j'en sais rien, je sais pas. Tu sais, le gars, il est mort, en vrai. C'est juste qu'il a infecté 15 millions de personnes derrière, quoi. C'est beau, hein. C'est un petit record perso. Il peut mettre ça dans son CV. Oui, c'est moi qui ai infecté le monde entier. Oh, oh, oh. Qui ai fait sombrer l'économie. Oh, oh, oh. Embauchez-moi. Je plaisante, évidemment. Manipulateur. Ah, c'est le trait de récompense. C'est ça, j'avais pas fait gaffe. Les Sims manipulateurs savent exactement ce qu'il faut dire pour susciter la colère, la tristesse et la jalousie chez leurs adversaires. Oh, oh. I see how. Tu as donc 8, 7, 7. Allez, pâtisserie, tu vas me refaire parce que j'ai envie que tu fasses un 50%. Comme ça, ce sera bien. On aura une avancée. Allez, fais du caramel mou. Alors, c'est ce que je disais, c'est justement la date où il a été admis à l'hôpital. Donc il a sûrement eu d'avoir l'infection avant. Mais je ne sais pas la date, tu vas pas me dire que c'est à mon anniversaire quand même. Oh, yon. C'est mon anniversaire cette date-là, c'est pas la date du Covid, hein, merde. Hein. On peut me voler la vedette celui-là. Ouais, enfin, un vaccin, moi perso, déjà que j'aime pas les vaccins, j'aime pas les piqûres. Voilà. J'ai une angine blanche avec un sacré rhume. D'accord, mais c'est mieux. Hey. Je sais pas si c'est mieux ou pire que le fameux Covid. Ah non, les calissons, ça a pas... Moi, ça me donne pas envie, hein, ce truc-là. C'est du melon confit mélangé à la pâte d'amande. Bah... Enfin, moi, perso, This is not my kiff. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Rire de manière maléfique, t'as raison, va. Oh, les films malveillants, ils rigolent comme ça. Laisse tomber. C'est marrant parce que dans Lord and Lady, je les ai pas entendus rire comme ça. J'ai essayé de les éduquer au poil, mais c'est compliqué. Hein. Il y a une, c'est la crise d'ado. Hein. Oh là là, le jour férié était... Horrible, incroyable, c'était dégueulasse la vie. Écoute, attends, on a plus de malice donc tu peux lui faire du charisme. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle dans sa petite tenue, ma chérie. On va te complimenter parce qu'on est bien éduqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va te flatter. Évidemment, toujours flatter l'ego. Illuminer la journée. Recomplimenter la tenue. Zambo. Et reflatter. Y a pas beaucoup de choses à faire en malice. Baratiner. Illuminer la journée. Monter le charisme. Vadish. On avance tout doucement. Ah, on va être samedi. Très bien. Très bien, très bien. Les gosses seront là. Est-ce que lui, il bosse? Non, il bosse pas. Et elle?
Elle bosse pas. Eh ben écoutez, on va peut-être bouger alors. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on aille au ski ou à la plage? On est en été, hein. Est-ce que c'est plus logique d'aller au ski ou à la plage? Toi, je t'ai pas demandé d'aller prendre de l'eau, là, Georgette. Georgettine. Tu vas recomplimenter sa tenue. Tu vas la baratiner. Suffit, hein. Faites ce que je dis, hein, sinon je vous tue. Takiba? Miso? Miso? Efidroyim Bar? Oh là là, mais qu'est-ce que t'es bien habillée, chérie! Ah, c'est vrai? C'est pas... Tu me l'as pas dit il y a deux secondes? C'est cool. Ah, ça y est, ils sont chauds comme la braise, les deux. Attends, j'ai rien fait de. Hein, quand même? Pas compliqué ce que j'ai fait, non? Fumba? Fumba Funo. Ouais, il s'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plage. La machine à cupcakes. Mais pourquoi tu veux voir la machine à cupcakes? Tu peux la mettre chez toi, hein. En fait, ils sont pas tous d'accord sur la date, mais apparemment, la plupart sont d'accord. C'est-à-dire que malheureusement, c'était le 17 novembre. Super! Mais dis donc, pendant que je fêtais, que je ne fêtais pas mon anniversaire, si, je le fêtais avec vous sur YouTube à l'époque. Cette année, c'était Twitch. C'est bon, c'est super, c'est l'anniversaire du Covid maintenant, c'est cool. En fait, le chinois, il savait que c'était mon anniversaire, il s'est dit, tiens, je vais bouffer du pangolin à la chauve-souris. Et voilà. Et ça m'a tout coupé encore. Tu m'énerves. Je sais, elle, c'est de sa faute, hein. Arrête! Si t'as faim, tu bouffes, il y a des trucs là. Qu'est-ce que tu m'en... Rien, ton mari que t'es avec qui t'es pas marié, il t'a fait plein à bouffer. Suffit, hein? Ouh, je vais me fâcher tout rouge, hein? Bon, voilà la plage. Alors. C'est l'été à la plage. Ah ou tcha tcha tcha. Et les yeux dans les yeux. Ah ou ah ou. Les coquillages. Ah ou tcha tcha tcha. Nani nani na. Aou aou. Oh les belles saucisses. Oh ça spamme les saucisses. Pourquoi je les vois pas moi les Elles spamment plus les saucisses si Vous mangez pas ce soir? Bah non. Pour l'instant je mange rien. Je suis avec vous donc je mange pas. Aou tcha-cha. Aou tcha-cha. Cha-cha. Elle a dit aou cha-cha. Pas fin. Oh Bichette, je veux, comme, je veux dire comme Adex, hein, si tu veux faire des beaux caca, il faut manger. Hein. Ce deck c'est pour le motiver, parce qu'il aime bien faire caca là où il a pas le droit. Mais du coup, il fait plus grand chose parce que il mange plus grand chose non plus. Donc, le peu qu'il mange, le corps retient, donc il fait au niveau des caca. J'ai loupé la mousse. Oh. Charmant, hein. Je nettoie l'écran avec la mousse. N'importe quoi. Tu veux être bonne, Yanana? Je la vois pas. C'est trop nul. Moi, je les vois pas, mes émotes. Alors. Ah si, c'est bon. Là, je le vois. Et je boing. Bon, Jean-Guy tout là, allez, il est 5h du mat. Baiser coquillage, aou aou. Le reste, je le mets au frigal. J'ai eu l'impression qu'il y a encore un chat qui passait, mais absolument pas. J'ai Doudou derrière, Cyrion il doit être dans la chambre. Ça dort. Eh hey, Bichet, il y a plein de manger dans le frigal. Non, pas de repas rapide. Ça, c'est toujours pas réparé, par contre, ça m'agace. Hein. Un baiser coquillage. Qui c'est qui a... Ah non, j'ai cru qu'il y avait un truc de cassé, mais c'est lui qui pissait, en fait. Il connaît pas la grasse mat, ce gamin, hein. Bon, une petite journée à la plage, ils vont aller bronzer et puis on s'arrêtera là.
Pour aujourd'hui, en tout cas. Si les modos montrent pas l'exemple, c'est ça. Et ça tape sur mon plafond. Aou, aou. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a, Blou ? Miko Blou ? Ah bah, dis ça, choupa. Ah, c'est pas ça, bata. Tiens, tiens, tu feras la vaisselle, toi. Nochi Kweinoho ! McDo, les enfants en rêvaient parce que oui, c'est un rêve en 2020 pour cette génération. C'est triste, hein ? C'est triste d'en arriver là. Hé, hey, Germaine, tu vas me prendre une douche ? 9h du mat. Oh, 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 oh. Baiser et coquillage. Aou, aou. Voilà. Ça va, ils sont sages, les gosses, quand même. Pour l'instant, ils sont sages. Allez, hop, on se lève. Tous pour Danette. Oh, Danette. Danette. Oh, Danette. Chouchoubi. Je viens de finir de manger, ça fait du bien. Soupe plus ravioli plus fromage. Oh la vache, mais vous, vous mangez des repas. Moi, j'ai jamais entrée plat dessert. Hein. C'est plat. Et c'est tout. C'est tout. C'est rare que j'ai du dessert. Je me n'autorise pas trop des desserts. C'est pas que je me l'interdis, c'est juste que je prends pas l'habitude d'en faire et d'en acheter, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui à la télé ? Ah, ils sont en France, regardez, il a un béret. Une punk. D'accord, c'était superbe. Merci pour ta participation, mon petit. Oh, il fait le ménage, c'est mignon. Il est gentil. Tiens, Jeannette, si tu veux, t'as une confiture beurre à manger là. Oh, ça doit être dégueulasse. Bah, ça, tu peux vider, Jean-Claude. Si tu veux, bah écoute, t'enlèves la nourriture gâtée également. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Franchement, aucun problème. Et toi, Gertrude, tu peux aller te laver. Effectivement. J'ai une gare à la maison, les garçons me font envie de venir faire. Mais c'est... Non, mais après, c'est bien, hein, mais je veux dire. Il est moche, faut qu'il compense. Oh. Confiture, beurre dégueulasse. J'aime pas le beurre et je suis pas très confiture. Comme ça. Oh, je suis très chips et très saucisson, très fromage. Mais il y a des trucs, non. Je l'ai failli pas reconnaître, j'allais dire c'est qui celui-là ? C'est notre fils ! Attendez, elle est où elle ? Ouais. Elle va prendre une douche, et après c'est la plage. Nouche, nouche ! Et je parle de la vraie plage, hein, Soulani. Hein. Pas la plage d'à côté, hein. Où il y a personne. Si, elle. On a oublié de regarder Auton ! Auton qui s'est mariée ! Peut-être qu'elle va avoir un chier. Non, personne n'a de chier pour l'instant. Bordax. Pepper. Voilà, notre arbre généalogique. Pepper, Bordeaux, Pulco. Là, il commence à avoir des pertes. Nous avons Nuage, qui était notre fille. Hein, donc on va... Attendez, je reprends Pepper, parce que c'est... Nuage, Lila... Copper. Et là, on sait pas qui sera l'élu. Bah, ça fait pas beaucoup de Pepper, ça fait pas beaucoup, là. Il y en a plein qui ont claqué, ou alors l'arbre généalogique a été coupé. Ouais, c'est bizarre, il y avait plus de monde. Hein. Mais il y en a plein qui ont disparu. Hein. Oh. Sophie Gray. Stéphanie Berry, Louise Rainbow, Chantal Rainbow, Clément le fils de Minnie. Ouais. Il y a eu un quelque chose là. Ils m'ont débarrassé beaucoup trop de gens. Et ça c'est notre arbre à nous. Hein.
c'est pas très... Il est plus très fourni, mais il en manque la moitié. Il manque même les sœurs de Lila et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais les Sims... Quand je vous dis que si j'ai pas les tombes, j'ai l'impression que ça va partir dans les oubliettes. Alors, Sunset ne s'est pas marié, mais Autumn s'est marié avec Gabriel Garner. Voilà. Il a son frère Patrick. Il a pas de parents. Bon, il a pas l'air terrible non plus, mais c'est toujours ça de pris. Et Fox, Fox est célibataire toujours. Il est indépendant alors que... Voilà. Voilà, voilà. Petit problème quand même dans l'arbre généalogique, il était plus fourni la dernière fois. Allez, femelle, fais le ménage. Oh ! Mais non, Sunset est pas morte ! Bah, elle est là ! Elle est pas morte ! Qu'est-ce que tu racontes ? Parce que tu l'aimes pas, que ça y est ? Du coup, Autumn est mariée avec qui? Bah voilà. Bah alors, on n'attend pas Patrick. Merde, qui c'est qui est mort? Millie Rainbow. Mais on sait pas qui c'est! Je ne sais pas qui c'est. Dommage, c'est ça. Ça n'a jamais été très réglé. Non, mais il était quand même mieux fait la dernière fois. Hein. Il y avait plus de monde, hein. On avait les descendants de Coquelicot, donc la sœur de Bordeaux. Et là, on n'a plus rien du tout. C'est pas normal. C'est bon? Toi, t'arrêtes. Direct. Allez, go! Vamos a la playa! Oh, oh, oh! Waouh, c'était... Non, j'ai vu du jaune, c'est pas là la mer. Ah, c'est là. Alors, playa en haut, d'en haut, la plage des âmes sœurs. Ah, c'est la plage... bah non, c'est le mariage, ça. Donc c'est ici. Parce que là, c'est, je l'avais refait pour le mariage, en fait. Je sais plus qui c'est que j'ai marié là. On a marié qui là? C'est pas Lila qu'on a marié là-haut? Mais Gusta Baila. C'est pas avec un Y, c'est avec un I. Oui, la plage! Alors les parents ils vont aller se faire bronzer en maillot de bain, évidemment. Se faire bronzer en maillot de bain. Les petites enfants, est-ce qu'ils peuvent se faire bronzer? Ils vont se détendre sur la plage. Voilà. Il est samedi, il est midi. C'est sous la nuit. Ouh, oh, il a. Et j'ai même pas fait exprès. Je l'ai assigné sur le transat orange. Par contre, tu manques de muscles, mon petit, hein, quand même. Il fait tout flasque. Bah alors, Copper, tu fais pas rêver, là, quand même, hein. T'es beau gosse, mais en fait, tu fais... Qu'est-ce que tu fais? Il se fait bronzer. Regardez-le. Oh, ils vont être bien, bien, bien bronzés, moi, je vous le dis. Ah, il est parti où, lui, déjà? Il est parti prendre des déchets sur la plage. Mais mets-toi un maillot de bain, bichette. Maillot, maillot de bain. Maillot, maillot de bain. Exposez votre petit maillot. Ah, il a trouvé un dino. Bonjour. Audrey Garnier. Les cheveux rouges. Je sens qu'ils vont être cramés. Je le sens. Non? Qu'est-ce qu'il a? Oh, il s'est... Oh là là, bichette! Elle va jouer dans le sable. Et fais une sculpture de sable si tu veux. Je m'en fous. Ça va. Mais quelle mauvaise! Allez, faites de la balançoire un peu, les vieux là. Profitez-en. Le slip tellement tue l'amour. Ah, oh, ça.
Ça fait comme un peu comme Kyle, tu vois, c'est pour faire plaisir un peu. J'avoue que là, il devrait refaire du sport, hein, parce qu'il est un peu perdu quand même. Hein. En sexiness, il est plus beau habillé que tout nu. Hein. Salut Jess, comment tu vas? Pourquoi faut la laisser cramer? André Garnier, quel âge avez-vous? Non, ça colle moins. Je sais plus où il faut faire pour la crème solaire. Après, tu pourras aller nager ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Ouais! Ouais! Ah, mon petit, j'ai envie de te faire du sport. T'as pas idée? Ça va, il y a pire, hein, mais... En fait, juste un tout petit peu de sport, lui refaire sortir ses muscles, ce serait plus sympa. C'est un casanier, hein. Il commence à prendre du gras un peu. Hein. Ah, regardez comme c'est beau quand même. Soulani, c'est quand même top. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette maison comme ça? Je m'en souviens pas. C'est quand même très très beau Soulani, hein, ça. C'est parfait pour les vacances. Hein. D'ailleurs, il faudrait que j'essaye de faire des maisons type location là pour que mes Sims ils puissent aller en vacances à Soulani quoi. Maintenant que c'est possible. Oh, ils sont tous là. Allez, faisons tous un bébé tous ensemble. Ouais. Vous êtes bizarres. Elle est bizarre celle-ci. Vous aurez pas un peu froid? Manon Williams, quel âge avez-vous? Elle est un peu buggée. Oh, le festival de la neige! Trop de la boulette! Vas-y, éclabousse. Éclaboussez-vous tous ensemble. Ouais, ouais, qu'est-ce qu'on se marre. Ouais. Allez, vous allez tous nager ici. Vous allez vous faire les pecs, là. Première arrivée, paye l'apéro à tout le monde. Non, le dernier arrivé, pardon. Pas le premier. 70$. Faut qu'ils prennent des couleurs, ça. Ah oui, t'arrives un peu tard, ouais. Faut acheter de la crème comme les médailles. Ouais, je sais plus. Je viens de cracher, j'ai pas su regarder. Aïe, 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 aïe. En cliquant sur eux quand ils bronzent. Ouais, je vois. Bon ben, celui qui paiera l'apéro, ce sera la petite Sakura, hein, avec son argent de poche. Regardez, ils sont beaux là en randonnion à faire les mêmes mouvements. Hé, hey, tout le monde, on nage. Bon, moi je fais que les bras, hein, pas les jambes, parce que sinon... Ah, ça fait mal. Copper prend des abdos, moi je t'ai fait une bombasse. Ah, lui, il a abandonné. Hein. Allez, Copper! Oh, il est galant, il laisse gagner sa copine. C'est beau. Hein. Manon Williams, ça veut la température glaciale. Eh, ça nous poursuit, ce jeu. Hein. Faut qu'on arrête. Hein. C'est drôle, mon petit Copper. T'as raison, qu'est-ce qu'on se marre. Et les gamins, ils mettent juste 10 ans à arriver. Ah bah, faut s'activer là. T'es à la bourre, ma cocotte, hein. Oh, ils vont tuer mon fils. Attendez, là y'a un. Je n'arrive pas à me diriger. Le batal. Non, ça va. Mais le batal, il va aller droit sur elle, hein. Droit sur ma fille. Ah, ça va. Ah, quoique. Non, ça va. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Jeannette? Oh là là, mon dieu, je failli me noyer. En plus, c'est la seule façon pour tuer des enfants, c'est de les noyer. Hein. Par contre, voilà. T'es qui, toi? Sarah Garnier. Quel âge avez-vous?
Bon, maintenant que vous avez tout traversé, vous y retournez. Allez, nagez ici ensemble. Température glaciale. On dirait des grenouilles. Regardez, ils font tous le même mouvement. Là, par contre, c'est Chamallow qui va être le dernier. Hein. Attention. Non, c'est plus l'apéro, là. C'est carrément le resto. Hein. Et Rejao. Qui est mort? Personne. Ah, si, parce que lui, il est triste. Bah, je sais pas. Quelqu'un de qui s'appelle Rainbow, mais je sais pas qui c'est. Nature ennuyeuse. Pff, mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Attendez, faut que je le lise. Copper ne comprend vraiment pas ce que la nature a de si intéressant. Il s'ennuie à mourir. Quand pourra-t-il retourner à l'intérieur? Bon, la malice, tu te calmes. Voilà. Ta femme, elle t'aime plus, là. Tu t'excuses avec élégance. Regarde, tu vas te prendre une giclée d'eau, tu l'auras pas vu venir. Elle, par contre, ça l'a fait marrer. Je pense que comme il est triste, il va aller nager tout seul, comme... voilà. Plus de choix. Bah non, ça marche pas. Je croyais qu'il pouvait nager... Il peut pas faire des longueurs ? Moi, t'y vas tout seul. Hein. Bon, bah, c'est les gamins qui régalent ce soir. Hein. Va chercher des objets sur la... Va faire une sculpture de sable. Et toi, va... Cherche des coquillages, allez. Et toi, va faire la cuisine. Et l'autre... Oh, des choripanes. Allez, Copper, va nager là-bas. Ça te fera les pieds et les abdos. Non, je n'ai aucun CC sur mes Sims. Oh bah bonne nuit, Sianana. Apparemment, tu t'en vas. Oh, des bisous. Dors bien. Bonne soirée. Regardez comme c'est beau. Je comprends pas qu'est-ce qu'il a Copper, hein, qu'il aime pas ce paysage incroyable. Cherche des coquillages, Jean-Claudius. Une tête de plante vache. Oh là là, j'ai envie de manger ça, moi. Pour une fois que c'est pas... Il peut faire de la pâtisserie là-dessus? Non. Ah. Il est trop triste. Mais qu'est-ce que tu parles à ces types-là? Je t'ai demandé d'aller... nager ici. À te faire les muscles. Allez. On le suit. Grenouille. C'est vraiment que je veux demander, mais elle vient d'où la référence de la cuisine? Je rigole à chaque fois que tu dis cuisine sans savoir pourquoi. Alors, c'est parce que je regarde beaucoup les lives de Antox Colaboy sur Twitch. Et il met souvent dans ses vidéos un mème, sachant que c'est un humour très noir qu'il a. Hein, c'est un humour très noir, parfois beauf, mais il est comme moi, c'est-à-dire qu'il fait exprès de dire certaines choses vraiment pour faire la blague. C'est-à-dire qu'il pense pas ce qu'il va dire, de souhaiter de l'horreur aux personnes. Mais pour faire la blague, il le dit. Et en gros, pendant ses lives, il a un mème vidéo. Il appuie sur un bouton et on voit le truc. Et on voit, je sais pas d'où c'est, ce que c'est, pourquoi l'explication. On voit juste un gars qui est en train de prêcher devant d'autres gars, dans une salle. Voilà, ça a pas l'air d'être une église ou un truc comme ça. Et il fait un discours au micro. Et en gros, donc t'as la version longue. Et lui, il a juste coupé des petits morceaux. Et la version longue, c'est... En gros, il explique que si ta femme, elle a... Bac plus 40, on s'en fout. Ça, on s'en fiche en fait qu'elle soit intelligente, belle ou quoi. Parce que de toute façon, la place de la femme, c'est à la cuisine. Et lui, il a coupé juste la place de la femme, c'est à la cuisine. Parce que ça fait très beauf. Donc moi, ça me fait marrer parce que le mec, il y croit à fond. Et tu les vois tous, ils sont là, ouais, ouais.
Et il a un mème beaucoup plus court, on voit juste faire cuisine comme ça, et c'est, ça me fait marrer à chaque fois aussi. Et alors, comme je le vois beaucoup chez lui, ça commence à venir chez moi parce que ça me fait marrer quand même. Mais je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas. C'est une vidéo sur YouTube, mais voilà. Oups, je me suis trompée. Mort de rire, la coquette. Allez, tu viens ici et tu vas manger un choripan. Bon, elle est peut-être mignonne, la petite Sakura, pour l'instant. Il y a un monsieur pervers. Ouais, il parlait au fils, là. Au fils. Il y a même des patates. Non, tu vas prendre un choripan parce que c'est au chorizo et ça se trompe. Ah punaise, je crois que je vois, ça me rappelle un truc. Oui, voilà, et en fait, ça vient juste de ce bout de vidéo. Et en fait, ça... quand il voit une nana qui parle et tout, tu vois, et qu'il a envie de lui clouer le bec, il fait « La place de la femme, c'est à la cuisine !» C'est horrible. Parce qu'il le pense absolument pas, mais c'est rigolo, quoi. C'est juste ça. Je pense qu'elle attend que son frère soit allé aux toilettes. Pour aller elle aussi, la 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 la. Mais c'est bien, on aura fait une journée, voilà, serrée dans ses bras. Oh oui, papou. Est-ce qu'il a perdu un peu de grain? Avec tout ce qu'il bouffe. En même temps, il bouffe tellement de pâtisserie aussi à la maison que... Merci pour l'explication, quand tu le dis, je ris à chaque fois, j'avais besoin de savoir. Non mais okay, aucun problème, j'aime l'humour noir. T'es la bienvenue ici, hein. Je pense que tu l'as déjà remarqué. Vu que tout ce que je dis dès qu'on a des gamins dans les Sims. Mais c'est des Sims, c'est pas grave. Tu me diras, il n'y a pas que dans les Sims que je dis des trucs horribles sur les gosses. Non mais en jeu ils sont très beaux nos enfants. C'est dans le CAS qu'ils sont chelous. Non ils sont beaux, hein. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire avec eux, hein. Un petit commerce là, on pourrait les louer quelques petites paires quelques petits pervers. Regardez-moi ça. Attendez. Ça me rappelle certains screens avec la balançoire. Ceux du Discord peut-être comprendront mon aile. La place de la femme, ça la cuisine. Regardez comme il est content. Oh, je suis content. Je m'appelle... J'allais dire, je m'appelle Pulco. C'est sa coupe de cheveux. Hein. Je m'appelle Copper et je suis content. Voilà, voilà. Bon, c'est quoi un humour noir? Ne vais pas poser la question. C'est humour très, très trash. Très... où vraiment, on parle de souhaiter de la mort carrément de certaines personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment très, très... noir, très très dark, très trash. Et forcément, c'est juste de l'humour, hein. C'est pour faire de la blague en fait. Enfin, quand je dis souhaiter la mort, mais c'est pas que ça, c'est dire des trucs horribles, tu vois. C'est que ça concerne tout et n'importe quoi. Ça peut concerner les humains, les animaux, tout quoi. Allez, on rentre à la baraque. Et c'est comme ça, les humours noirs, mais. Regarde sur internet, t'auras des meilleures explications parce que moi je galère peut-être. On habite où déjà? Ah oui, là. J'ai oublié. Ils seront magnifiques, bon, on verra. C'est de l'humour immoral. Ouais, c'est ça, c'est que ça respecte pas la morale et la logique, enfin la bienséance des choses, tu vois. C'est pas cool, c'est pas gentil. C'est pas un humour potage, c'est pas beauf, c'est méchant, tu vois. Mais on dit ça dans l'humour, c'est-à-dire qu'en général, c'est juste parce que la blague est possible, donc on l'a fait. Mais ça peut choquer beaucoup de gens, parce qu'effectivement, c'est très trash, quoi. C'est très dur, c'est pas... Voilà. Je viens de la faire, on va les louer pour les petits pervers. Voilà, c'est ça, c'est ce genre de truc. Il y a moyen de faire un commerce avec les gosses, tu vois. Ils sont mignons, donc il y a moyen de les louer. C'est faire un peu de pognon derrière. Ah, c'est moche! Ah, c'est moche, ça, Shirley. Ah, c'est moche. Va prendre une douche, Jean-Pierre. Donc, après ce que j'ai vu, il travaille. Ouais.
Bah écoutez, on va le laisser aller au travail et on s'arrêtera là. Oui, ça fait 1h54 quand même, donc ouais. On va pas attendre qu'il rentre. On va le laisser aller au travail et puis ce sera très bien. Non, tu vas pas... Tu vas appeler SOS Tristesse parce que là d'où tu es, ça ira plus vite. Ouais, appelle SOS Tristesse. Oh, je suis triste, vous savez, oh là là, j'ai perdu quelqu'un dans la famille que je n'avais jamais vu, que je savais même pas qu'il existait. Voilà, il va mieux. Tu peux faire une sieste? Ah ouais, elle est déjà au boulot aussi. Est-ce qu'il est un peu fatigué? Ah, va taffer. Oh là 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 là, Matrix Reloaded. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, beau gosse. Beau gosse. Attitude. Hein? En fait, il s'appelle Néo. Dou 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 dou. Ça y est, il est parti. On va le faire travailler dur. Hop, j'enregistre ici. Et je vous remercie pour cette rediffusion YouTube. Désolé, je n'ai pas vu le temps passer. Ça fait presque 2 heures de rediff. Vous avez bien eu du courage si vous êtes arrivé à maintenant. Je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Not So Berry. Ciao.